Alors donc ce soir nous recevons deux auteurs, l'un qui est plutôt scénariste, en tout cas qui n'est pas dessinateur ou qui ne se présente pas comme tel dans l'état actuel des choses, qui est Jean-Noël Lafargue, sur lequel je vais revenir rapidement, et puis Pellicci qui, elle, met en scène et dessine, et qui le fait à titre de conte d'auteur, on le verra tout à l'heure aussi. Alors Jean-Noël Lafargue, je vous laisserai la parole hein, pour vous présenter de manière plus approfondie. Vous êtes enseignant à l'école d'art du Havre et puis enseignant aussi à Paris 8. Et vous avez écrit ces deux livres donc, qui sortent dans la série de la Petite Bibliothèque des Savoirs. Je ne sais pas si vous connaissez la Petite Bibliothèque des Savoirs. C'est une initiative de David Van der Molen, qui est un auteur belge de bande dessinée, et de l'éditeur Le Lombard, qui propose toute une série de livres sur des thématiques diverses et variées. Alors il y en a qui intéressent la science et la technique, hein, comme ces deux-là, qui a signé Jean-Noël Lafargue, hein, sur Internet et l'intelligence artificielle. Mais il y en a aussi sur le tatouage, il y en a sur les droits de l'homme, etc. Donc, la vocation, vous avez reconnu un peu le format. La vocation, c'est au fond d'être un peu, on l'a dit, hein, je ne suis pas le premier à le dire, je dois être le 103e à le dire. Donc ça ressemble un peu à des que sais-je en bande dessinée. Et c'est cette vocation de la vulgarisation du savoir sous toutes ses formes et toutes ces thématiques à travers une mise en scène qui est celle de une écriture, si on veut, qui est celle de la bande dessinée. Et c'est ça qui fait la différence par rapport à que sais-je au sens traditionnel du terme. Donc Jean-Noël Lafargue a signé avec Mathieu Burnas ce texte et cette bande dessinée sur Internet. Donc c'est une présentation très complète d'Internet, de son histoire aux enjeux politiques d'Internet, enjeux politiques actuels d'Internet. Donc j'ai trouvé personnellement que la lecture était très agréable et puis c'est assez approfondi. Alors il y a beaucoup de textes et on parlera inévitablement du rapport entre le texte et l'image et toute la question qui se pose, mais c'est pareil pour vous aussi, c'est au fond l'explication des choses, est-ce qu'elle passe d'abord par le texte ou est-ce qu'elle a la possibilité de passer par l'image, puisqu'on est en bande dessinée, on pourrait espérer que ça passe beaucoup par l'image, ça passe par l'image, mais ça passe aussi peut-être encore beaucoup par le texte. Le deuxième livre donc, de Jean-Noël Lafargue que je voulais vous présenter, c'est un livre sur l'intelligence artificielle qu'il a fait avec Marion Montaigne. Vous connaissez peut-être Marion Montaigne pour son blog et puis les livres qui ont été tirés, hein. Tu mourras moins bête, mais tu bourras quand même. Et donc je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont là-bas exposés sur la table. Donc, si vous avez eu l'occasion de lire Marion Montaigne, vous connaissez son humour, et cet humour, on le retrouve ici, je veux dire intégralement, et à toutes les pages, je veux dire presque à toutes les cases. Et là aussi, on verra ce que c'est que de travailler avec une dessinatrice qui a cet humour-là, et qu'on retrouve beaucoup dans le livre, ce qui est peut-être moins le cas avec Mathieu Burnia, qui est peut-être, je vais dire, l'élève un peu plus sérieux, mais je ne sais pas, ce sera à vous de nous le dire. Et puis enfin, à propos de bande dessinée, Jean-Noël Lafargue a aussi publié entre la plèbe et l'élite, il y a, c'était quand? C'était presque 10 ans, 8 ans, 9 ans. 8 ans, 9 ans. Donc ce livre donc sur la bande dessinée, c'est un ouvrage au fond sur la question de la légitimation sociale de la bande dessinée et les étapes de sa légitimation et donc on apprend pas mal de choses sur cette question qui est une question importante pour la bande dessinée parce que c'est une question qui est toujours pas gagnée en définitive. La place de la bande dessinée est toujours discutée, que ce soit dans les médias et a fortiori dans le monde intellectuel et notamment à l'université. Et en tant que professeur d'université qui s'intéresse à la bande dessinée, je suis bien placé pour le savoir. Notre, donc vous pourrez vous présenter hein, de manière plus approfondie après. Notre deuxième auteur, c'est Pellicci. Elle a publié sur Internet et maintenant sous format papier ce travail sur Material and Methods, on va dire donc matériel et méthode si on veut en français. Alors avec un dessin qui est un dessin de type manga. Et tout le travail vise à présenter, à travers le trajet
un stagiaire, ce que c'est que de travailler dans un laboratoire. Donc il y a aussi des moments qui sont des moments plus didactiques ou des moments de type encyclopédique, mais globalement, c'est un récit voilà, qui vise à nous faire entrer dans le laboratoire, parce que Pellicci est aussi docteur en biologie, et elle s'intéresse maintenant essentiellement à ce qui devient son métier. En tout cas, elle espère, si j'ai bien compris, que ça va devenir son métier, et qu'elle va vraiment pouvoir en faire son métier, donc devenir dessinatrice de bande dessinée, illustratrice aussi. Et puis elle a fait un autre petit ouvrage. Alors là, il y a un deuxième tome qui est en préparation, et qui devrait sortir cette Au année. printemps. Printemps, voilà, printemps de cette année. Et puis donc les cours du professeur Colli, donc Chia Colli, et donc là qui sont en fait qui est un travail très très didactique, c'est je veux dire, plus didactique que bande dessinée, alors que là on est plus bande dessinée que didactisme. Là ça se marie à travers un récit. Là c'est vraiment, je veux dire, pour apprendre, pour réviser son cours d'une certaine manière. Je ne sais pas à quel niveau. Ça se situe, j'ai lu celui-ci, mais j'avoue ne pas avoir. Je viens de l'avoir en main, donc je n'ai pas eu le temps de le lire aussi rapidement. Mais on est vraiment dans le cours, ça se voit à l'œil nu. Voilà, donc je vous laisse quelques minutes pour compléter cette présentation, et puis on va en venir à ce qui nous intéresse tout de suite, c'est-à-dire le rapport entre la bande dessinée et la science. Faut continuer à se présenter. Ah, je sais pas si vous m'entendez bien, ça va? Oui. Donc je suis, juste pour vous dire, enseignant en art. Et j'enseigne la programmation en art. Donc je m'intéresse naturellement aux technologies. La collection La Petite BDTech des Savoirs est assez particulière. L'idée de David van der Meulen et Nathalie van Kampenhout, qui est l'éditrice, c'était de faire une collection un peu précieuse, comme ça. Vous voyez, les livres sont cartonnés, il y a un vernis et tout. Et l'idée, c'était à chaque fois d'avoir une sommité dans un domaine et puis une sommité dans la bande dessinée. Par exemple, Hubert Reeves, là, on ne peut pas faire beaucoup plus connu. Et puis, moi, je suis un peu l'imposteur dans le truc, je ne sais pas pourquoi. On m'a commandé plusieurs livres. Je suis le seul à en avoir fait deux, d'ailleurs. Mais je suis quand même très content de les avoir faits, d'autant que j'ai été soigné, j'ai été mis en binôme avec des très grands auteurs. Voilà. Donc c'est pour vous dire un petit peu, voilà. Mais je ne vais pas vous raconter tout ce que je fais, c'est pas spécialement intéressant. Voilà, à toi. Moi, du coup, je pense que ma présentation était assez complète. Du coup, je suis scientifique de base et je me suis mise à faire du manga après. Donc il y a eu une reconversion et du coup, j'ai dû apprendre un peu comment est-ce qu'on faisait une BD, etc. Un peu toute seule. Donc voilà, au final, j'ai quand même sorti une BD qui s'appelle Matériel et Méthode. Et c'est un webcomic, donc vous pouvez le lire sur Internet, si jamais. Oui, je l'ai lu sous cette forme d'ailleurs, donc c'est assez intéressant à lire aussi sur numérique. Il faut grossir un peu, c'est un peu spécial, mais ça change de la bande dessinée sur papier. Même s'il n'y a pas d'usage particulier du numérique dans ce cadre-là. Alors, quand on parle de bande dessinée et de science, enfin, moi en tout cas, assez spontanément, je pense à des grands classiques, notamment, je suppose que c'est un peu la même chose pour vous, à Blake et Mortimer, ou au professeur Burp de Gottlieb, pour être dans deux registres très différents, l'action, l'aventure d'un côté et puis le comique de l'autre. Et je me posais la question, savoir si, au fond, il y avait des grands ancêtres comme ça dans la bande dessinée qui avaient pu vous inspirer, vous inciter un peu à faire ce travail, ou si c'était complètement déconnecté, ce que vous avez été amené à faire l'un comme l'autre de ce type de référence. Donc, comme vous voulez, le premier qui. Alors moi ça va être un peu particulier parce que du coup je fais du manga et donc Oui. mes principales références c'est du manga. Après j'ai lu très peu de BD franco-belge quand j'étais petite, j'étais vraiment très manga et par contre j'ai un peu diversifié mes lectures du coup en grandissant. Mais c'est vrai que mes références restent principalement des auteurs donc japonais et en fait dans le genre j'ai toujours aimé dessiner donc j'ai toujours un peu eu cette envie de faire de la BD simplement. Entre faire un dessin et faire un récit dessiné, c'est quand même deux choses qui sont différentes. Et en fait,
Peut-être les mangas qui m'ont bien marqué dans le genre un peu didactique et qui m'ont donné envie de m'y mettre moi aussi, je dirais Bakuman. Bakuman, c'est un manga qui parle de comment est-ce qu'on fait du manga. Et donc c'est extrêmement bien écrit, le dessin est magnifique, c'est par les auteurs de Death Note. Clairement, quand on lit, on se laisse prendre par le récit et à la fois on apprend énormément de choses sur le milieu. Et donc du coup, ça fait partie de ces mangas qui m'ont donné envie de faire un peu la même chose, c'est-à-dire de parler de choses, enfin d'expliquer des milieux ou des différents domaines via la BD. Voilà. Puis peut-être dans un autre auteur qui m'aurait donné envie, je pense Hiromu Arakawa qui a fait Fullmetal Alchemist, qui a publié Silver Spoon, hein, qui parle de en fait du milieu agricole. Donc c'est un étudiant qui arrive dans une école agricole. Moi, j'ai toujours été un gros lecteur de bande dessinée. Ça m'a toujours intéressé. Mais ma référence en bande dessinée de vulgarisation scientifique, c'est Marion Montaigne. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec elle. Voilà. Et sinon, il y a toute une histoire de la vulgarisation en bande dessinée. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment, je ne sais pas si c'est connu, mais la première thèse qui a jamais été faite en bande dessinée était faite ici, dans cette université, en fait, par Serge Tisseron en 1975. Et c'est sa thèse de doctorat en médecine. Et il explique toute l'histoire de la psychiatrie en bande dessinée. Il a toujours rêvé de faire de la bande dessinée. À un moment, il a arrêté, c'était pas un dessinateur incroyable non plus. Mais sa thèse est en bande dessinée, elle est tout près. J'ai regardé, elle est... la bibliothèque universitaire Rockefeller, enfin du campus Rockefeller. Elle est aussi accessible en ligne. Oui, mais là, c'est ce que je vais dire, on la trouve en ligne surtout, donc c'est encore plus simple et plus pratique. Hein, donc, voilà, mais c'est pour relier ça à cette soirée. Voilà, il y a un rapport entre cette université et la bande dessinée didactique, pédagogique. Voilà. Alors, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous en êtes venu à faire ces livres. Alors, apparemment, vous avez parlé de commandes ou quasiment. Je veux dire, comment vous avez été sollicité par David Van Der Melen? C'est vous qui l'avez sollicité? C'est lui qui vous a sollicité? Voilà, comment ça s'est passé? Oui, énormément de gens lui ont proposé des choses quand il a lancé la collection et il ne voulait absolument pas. Il a toujours décidé lui-même des mariages auteurs. Dessinateur, scénariste, donc il me connaissait. On est bons amis depuis très longtemps, quoi. Une fois, quelqu'un lui demandait où il m'avait trouvé, puis il a dit « Oh, Journal, c'est quelqu'un qui traîne dans la bande dessinée depuis longtemps. » Bon, alors, ça devait être la bonne raison. Et j'avais fait une préface pour lui, pour un livre sur... pour une adaptation d'une nouvelle de Jules Verne, et j'avais fait une préface sur les technologies, en fait... En fait, une nouvelle de Michel Verne, le fils, mais qui est signé Jules Verne, qui est la journée d'un journaliste américain en 1886. Et c'était une préface qui lui plaisait bien. Il trouvait que je parlais bien d'Internet, notamment, des technologies en général. Et donc, il m'a lancé là-dessus. Et au départ, je ne devais pas travailler avec Marion. Je devais travailler avec Daniel Gossens, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un immense auteur de bande dessinée, Grand Prix d'Angoulême, un grand humoriste chez Fluide Glacial, mais aussi un universitaire en intelligence artificielle. Il travaille dans l'intelligence artificielle depuis 40 ans. Voilà. Et on a commencé à travailler ensemble, puis à un moment, il a craqué. Il n'a jamais voulu mélanger ces deux activités, et puis... voilà. Donc il nous a beaucoup aidé, mais on a sauté sur quelqu'un d'autre. Et puis il s'est trouvé que c'était Marion qui était d'accord pour le faire, qui est une bonne copine aussi, je la connaissais bien. Et donc ça s'est fait un peu tout seul. Voilà. Et le deuxième avec Mathieu Burnier. Et le deuxième, pendant que j'étais en train de faire l'intelligence artificielle, David Van Der Melen m'a demandé si je voudrais pas faire un livre sur Internet, qui parlerait d'Internet. À chaque fois que je disais aux gens que je prépare un livre sur Internet, tout le monde s'attendait à ce que je sorte un blog. Voilà, mais pas du tout. C'était un livre qui parlait d'Internet. C'est toujours dur de le dire pour cette raison. Et donc, voilà, il m'a proposé ça en plein milieu, alors qu'on n'avait pas fini, qu'on ne savait même pas si on allait finir. On était un peu coincé par les délais, mais j'ai accepté quand même. Et puis, j'ai commencé à écrire, parce que finalement, Internet, c'est un sujet
même sans être historien du domaine, qui m'est assez cher parce que je suis sur Internet depuis que l'Internet grand public existe en France. Et j'ai suivi son évolution. Je connais bien tout un tas d'activistes, etc. Donc j'ai des opinions sur son fonctionnement, mais je suis aussi programmeur, un peu informaticien, donc je connais aussi le fonctionnement technique. Et du coup, je pense que je pouvais parler d'un petit peu tout. Et on m'a proposé un jeune auteur, qui était donc Mathieu Burnier. Je ne connaissais pas du tout. Je me suis demandé ce que c'était que ce jeune qu'on me mettait dans les pattes, après Marion Montaigne. Et il s'est avéré que c'était un auteur exceptionnel. Pendant que j'étais en train de travailler, il était en train de mettre la dernière main au mystère du monde quantique, qui est sur la table là-bas, qui est un livre formidable. Et c'est un jeune homme dont on entendra parler, quoi. Il est vraiment très bon. Avec le mystère du monde quantique, il a fait un tabac. Ça a très très bien marché, mais son nom n'est pas encore rentré dans les oreilles des gens, je pense. Les gens ne connaissent pas spécialement Mathieu Burnier, mais il a vraiment beaucoup de talent. Et deux passions qui sont la nourriture, d'une part. Il a fait plusieurs livres sur la nourriture, sur la gastronomie. Et puis les sciences. Voilà. Et il est très très doué. Il sort un album sur l'écologie cette fois. Voilà. D'accord, Pellicci. Moi ça remonte. En fait, donc j'étais en thèse et comme je dessinais beaucoup, j'avais aussi un blog en parallèle où je parlais de sciences. Donc ça ressemble plus à ce qu'il y a dans les cours du professeur Ocoli. C'est-à-dire que j'essayais d'expliquer un peu la biologie à mes proches qui n'y connaissaient rien avec des petits textes illustrés. Donc c'est une bactérie qui vous explique comment fonctionne la biologie. Et en fait, j'ai fini ma thèse et donc j'ai pu me consacrer un petit peu plus au blog. Et comme il a eu pas mal de succès, je me suis posé la question, est-ce que je ne devrais pas raconter ça aussi, mais avec un récit cette fois, donc avec une histoire, des personnages, etc. Et du coup, j'en suis venue à faire Matériel et méthode, donc un premier chapitre d'abord. Et puis avec le retour de mes lecteurs, du coup, j'ai pu faire une suite. D'accord. Alors, vos livres parlent de science, mais ils parlent aussi de technique, parce qu'Internet, c'est quand même au moins autant, voire plus de la technique que de la science, même s'il faut de la science derrière, bien évidemment. Mais est-ce que technique et science, c'est la même chose? Est-ce qu'en définitive, on en parle de la même manière ou pas? Et puis, même vous racontez la vie d'un laboratoire. La vie d'un laboratoire, on produit de la science, mais on utilise des techniques pour produire de la science. Et à un moment donné, vous montrez comment on utilise les pipettes. Et voilà, ce n'est pas totalement évident non plus. Donc voilà, j'aimerais qu'on revienne sur cette question du rapport entre technique et science. Oui. Dans la petite bibliothèque des savoirs, il y a tout un tas de catégories. Donc il y a histoire, pensée, culture, etc., science, nature, société et puis technique. Donc clairement, c'est vraiment dans le domaine technique. C'est moi qui ai eu les deux livres techniques à faire. Et ça me correspond, parce que je ne suis pas un scientifique. J'ai une formation d'artiste, en fait. Et puis, je suis plutôt dans les technologies, dans la technique. Mais l'intelligence artificielle, en revanche, est une science. C'est une science qui s'appuie sur beaucoup de techniques, mais c'est une science expérimentale. Et qui est intéressante pour ça. Alors, je ne sais pas exactement comment, ce que je peux en dire. Donc, je suppose que je ne suis pas un auteur scientifique. C'est, effectivement. Alors, ça serait quoi la différence entre un auteur scientifique et un auteur qui jette un regard qui n'est pas celui du scientifique, mais sur un objet qui soit technique, soit scientifique? Ça change quoi dans votre approche? Comme je n'ai pas l'expérience de la science, j'ai du mal à dire. Alors, je pourrais parler. Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre approche? Quand vous êtes, vous, en tant que non-scientifique, amené à faire un livre sur l'intelligence artificielle, vous dites comment est-ce que je l'aborde en définitive? Oui, là, je peux raconter l'histoire du livre lui-même. D'abord, avec Daniel Gossens, on a discuté de la théorie de l'intelligence artificielle des années 60-70, c'est-à-dire vraiment les débuts, qui était une intelligence artificielle assez intelligente. On cherchait à trouver mathématiquement comment simuler des raisonnements, etc. Maintenant, il y a toute une branche de l'intelligence artificielle qui est
pas bête, hein, c'est pas le mot du tout, au contraire, il y a beaucoup de travail derrière, mais qui essaye de partir, de faire émerger l'intelligence de choses beaucoup plus simples. C'est-à-dire, je sais pas, faire travailler des robots en essaim et puis voir ce qui va sortir de petits comportements, de comportements simples, etc. L'idée est moins maintenant de réussir. Les tout débuts de l'intelligence artificielle, c'était par exemple des programmes qui essayaient de démontrer des théorèmes. Donc c'est un très haut niveau d'abstraction. Voilà. Et maintenant, on cherche plutôt à essayer de faire émerger, je ne vais pas dire de la vie, mais quelque chose qui peut rappeler ça. Donc on a commencé comme ça avec Daniel Gossens. Il m'a parlé de l'intelligence artificielle intelligente. Et puis ensuite, avec Marion, elle, tout de suite, voulait s'intéresser aux robots. Elle savait, parce qu'elle avait déjà visité un laboratoire, qu'il y avait des choses intéressantes qui se passaient en robotique. Pour moi, la robotique était complètement accessoire. Je m'intéressais plutôt aux questions de raisonnement. Et donc, j'ai suivi la méthode Marion Montaigne. On est allé rencontrer des gens. On est allé dans des laboratoires, se faire montrer des choses, se faire expliquer des choses pendant des heures. Les scientifiques l'adorent parce qu'elle met bien en valeur leur métier, finalement. Et du coup, ils l'invitent quand elle veut. Et on a appris énormément de choses. Et tout ça est rentré dans le livre assez naturellement. Voilà. C'est comme ça qu'on a travaillé. Pour Internet, c'est un peu différent. J'avais déjà une idée de ce que je voulais raconter. J'avais un fil, je l'ai envoyé comme ça à Mathieu. On a trouvé en 2 minutes le prétexte. Pour vous raconter l'histoire. Je veux dire, c'est pas un fil, c'est un câble. C'est un câble, absolument. C'est pas un fil, c'est un câble. Pour vous raconter l'histoire, ça commence par cette vieille dame, une grand-mère octogénaire géorgienne qui existe, qui s'appelle Ayestan Chakarian. Je sais pas si vous avez entendu parler d'elle, on l'appelle la hackeuse à l'appel. Elle n'avait jamais entendu parler d'Internet, mais un jour, en cherchant du cuivre dans la terre, en fait, elle cassait des câbles qui pouvaient servir à quelque chose pour gagner un petit peu d'argent, comme ça. Et en donnant un coup de pioche pour récupérer du cuivre, elle n'a pas récupéré du cuivre, elle a cassé une fibre optique et elle a coupé Internet à tout le Proche-Orient. C'est pas mal. Donc, à la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Notamment. Mais elle n'avait jamais entendu parler d'Internet, elle ne savait même pas ce que c'est. Alors donc le principe, c'est que le câble lui explique et il lui raconte tout Internet et donc on fait un voyage comme ça. Là, c'est vraiment une intervention de mon co-auteur. Parce que finalement, ma méthode à moi, comme j'étais avec des bons auteurs, c'était de leur faire beaucoup confiance. Eux savent raconter des histoires, ce n'est pas moi qui vais apprendre à faire un scénario à Marion Montaigne. Ça n'aurait aucun sens. Et là, pareil, il a trouvé assez vite tout un tas d'idées. Mais néanmoins, c'est vraiment mon texte du début à la fin. Alors qu'avec Marion, pas du tout. On a travaillé en ping-pong en permanence. On sent le ping-pong. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent son humour, en fait. On sent son humour. Ceci dit, il y a un gag qui ressemble à Marion Montaigne, mais qui est de moi. J'en suis très fier. voilà. Voilà comment j'ai travaillé. Mais je ne sais pas exactement comment dire ce qui serait la différence entre de la bande dessinée scientifique et de la bande dessinée qui parle de technique, parce que je n'ai pas cette expérience. Et voilà, il faudrait que j'essaye. Mais je ne suis pas scientifique. Je ne saurais pas vraiment le faire, je pense. Merci, Pellicci. Alors pour moi, c'était important. Ben, du coup, effectivement, la science, il y a ces deux aspects. Il y a cet aspect savoir, vraiment le fondamental, et puis l'aspect technique. Pour moi, c'est important de parler. Enfin, pour moi, c'était important de parler des deux côtés, et surtout qu'en plus, donc moi, j'ai fait le choix de pas parler de, par exemple, de biologie. Je fais le choix de parler de recherche, mais ça s'inscrit dans la biologie. Et du coup, là, il y a plusieurs niveaux qui interviennent. C'est-à-dire que il y a comment est-ce qu'on fait la science au jour le jour, comment est-ce qu'on la gère. Donc ça, c'est vraiment très technique, avec les histoires de financement, les histoires de matériel, plein de choses comme ça. Et puis il y a aussi, le côté qui fait la science, quoi. C'est-à-dire les connaissances, les recherches, comment est-ce qu'on échange, enfin comment est-ce qu'on fait avancer les connaissances, comment est-ce qu'on établit un protocole, rien que ça.
c'est quand même un peu la base de la science, quoi. Et puis à côté, il y a aussi des aspects techniques. Ben, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre le protocole? Comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on obtienne les résultats qu'on veut? Là, j'ai pas vraiment le choix, je dois traiter de vraiment tous ces aspects. Ce qui fait que du coup, bah, faut bien équilibrer et en même temps gérer avec les aspects narratifs, faut pas que ça soit trop lourd et trop conséquent, trop dense, quoi. Donc voilà. Du coup, c'est presque de la peut-être sociologie de la science ou, C'est un peu, il y a un peu tous les niveaux. L'épistémologie. Ouais, il y a un peu tous les niveaux. Il y a aussi un peu de ma réflexion personnelle, peut-être sur l'humilité. Question que je vais poser. Donc. On va y revenir, non, parce que c'est vraiment intéressant, parce que c'est une manière d'approcher les choses qui enfin vous avez deux manières qui sont différentes justement de mettre les choses en scène et donc on y reviendra et c'est vrai que ce que vous faites ça se rapproche de la sociologie de la science mais on y reviendra tout à l'heure. Là tout de suite j'aimerais qu'on revienne sur la bande dessinée parce que bah, vous faites de la vulgarisation. Alors, on peut faire de la vulgarisation à travers des médias, j'allais dire, qui sont différents les uns des autres. Alors, on peut utiliser du texte, on peut utiliser la vidéo, et puis, bah, pourquoi pas utiliser de la bande dessinée. Et j'aimerais savoir, alors peut-être que vous n'avez fait ni vidéo, ni texte aussi, ça, je dis en matière de vulgarisation, mais au fond, à votre sens, puisque vous utilisez ce médium qui est la bande dessinée, qu'est-ce qu'apporte la bande dessinée en termes de vulgarisation? Et peut-être qu'est-ce qu'elle permet de mettre en scène, qu'on pourrait peut-être plus difficilement mettre en scène autrement. Parce qu'il y a quand même des manières de dire les choses à travers la bande dessinée, de les construire, parfois de construire ou des images, ou une page, une planche qui prend son sens en tant que planche. Et ça, bah, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec le texte, et c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec la vidéo non plus. Voilà, c'est le type d'idée sur lesquelles j'aimerais qu'on réfléchisse, que vous interveniez tout de suite. Donc, On peut changer si vous voulez, pas toujours. Mais oui, en fait, on peut partir sur une heure de discussion là, juste sur ce point, parce que la bande dessinée est vraiment intéressante. À mon avis, c'est un média très très justifié pour la vulgarisation et très intéressant. Mais les autres aussi, la vidéo est géniale aussi. On peut faire beaucoup de choses, mais il y a des grosses différences. La vidéo, vous savez que vous n'êtes pas maître du temps. C'est le montage qui décide du temps de visionnage. La bande dessinée, on peut revenir, repartir. C'est un petit peu différent. On est moins spectateur. On est plus acteur de sa lecture. La bande dessinée, un peu de vulgarisation, alors, scientifique ou autre, par exemple, historiquement, c'est l'histoire, justement, qui a beaucoup été représentée en bande dessinée pédagogique, didactique, etc. Pendant très longtemps, ça a été abordé d'une assez mauvaise façon. C'est-à-dire que l'idée, c'était de se dire que la bande dessinée, c'est pour les enfants et que c'est pour apprivoiser les gens. C'est-à-dire on va leur amener quelque chose de difficile à comprendre et puis on va mettre des dessins rigolos comme ça, ils vont trouver ça marrant et puis on les apprivoise. Voilà, c'est l'idée. Depuis... plein d'auteurs, Marion Montaigne ou les auteurs de la collection Sociorama en sociologie et puis plein d'autres, Mathieu Burnia. Il y a des gens qui font en bande dessinée des choses qui seraient très dures à faire autrement. En fait, vous pouvez lire un article de vulgarisation, il ne vous amènera pas forcément tant de choses. Alors, bien sûr, il y a des raisons physiques. La bande dessinée, déjà, il y a deux supports différents, il y a le texte et puis le dessin. Qui ne s'imprime pas pareil dans le cerveau. Je ne connais pas du tout la théorie de ça, mais c'est clair qu'il y a des choses qu'on retient bien parce qu'il y a une image, et puis d'autres qu'on retient pour d'autres raisons. Et ce n'est pas forcément les mêmes. Et puis en bande dessinée, il y a la séquence qui permet de raconter des histoires, et on sait que pour la mémoire, raconter des choses, ça sert beaucoup. Mathieu Burnier a sorti un livre d'ailleurs qui est formidable là-dessus, qui s'appelle « Une mémoire de roi » aux éditions Premier Parallèle, que je vous conseille... bien, et qui explique comment avoir une mémoire infaillible. Et ça marche. Et ça passe beaucoup par le récit. C'est-à-dire que pour retenir des choses, il faut se raconter des histoires. Et c'est vraiment un très très bon livre. Là, qui est vraiment plus un espèce de cours, mais très très réussi.
Donc voilà, il y a toutes ces caractéristiques qui font que c'est intéressant. Et puis il y a surtout la production. On voit qu'il y a de plus en plus de choses qui se font. Maintenant, je crois que 15% de la bande dessinée est de ce qu'on appelle du registre non-fiction. Donc c'est pas des fictions, ça va être des biographies, des bandes dessinées didactiques, pédagogiques, etc. Et au milieu de cette production, il y a énormément de choses qui sont relativement brillantes. Il y en a certaines qui sont des vrais essais, c'est-à-dire des livres qui n'existent pas sous une autre forme et qui sont vraiment bien et qui peuvent faire date. Par exemple, dans cette collection, il y en a un sur le minimalisme. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier du minimalisme en art, mais il n'y a jamais eu de livre sur le minimalisme. Bizarrement, il y a des livres sur le minimalisme en architecture, en peinture, en littérature, etc., mais jamais un qui traite tout. Et donc là, c'est un vrai essai, c'est un livre unique de ce point de vue-là, et il est vraiment très très réussi. Voilà. Ça nous sort un peu des sciences. Mais disons que plus ça va, plus il y a des auteurs qui font des choses de grande qualité, qui fonctionnent bien, et qui prouvent que c'est un média tout à fait adapté à plein de choses. Bien sûr, le texte sert à tout un tas de choses aussi. Et la vidéo est intéressante aussi. Voilà. Il y a plein d'autres formats, comme maintenant les webdocs, je ne sais pas si vous connaissez, qui peuvent être intéressants, mais qui sont un petit peu ennuyeux souvent, parce que ça mélange un petit peu les qualités de la vidéo, l'audiovisuel, et puis le feuilletage, mais on ne sait jamais par où on doit aller chercher les choses, et puis on se lasse assez vite. Je viens de dire du mal du web. Et alors que, dans un sens, j'aime bien, mais j'ai jamais du courage de m'intéresser vraiment. Voilà, la bande dessinée, c'est quand même un format très très intéressant, et là, il se passe des choses dans la bande dessinée vraiment bien. Alors, beaucoup d'éditeurs s'engouffrent là-dedans, si vous regardez. Il y a vraiment beaucoup de bons livres. Il y a aussi pas mal de traductions de livres qui sont de qualité moyenne et ou parfois bizarres. Il y en a un sur le capitalisme, un truc américain, mais qui, pour nous, par rapport à la conscience politique européenne, est bizarre. Mais voilà, il a beaucoup de succès, apparemment. Dans la petite BDTech des savoirs, il y en a aussi un sur le libéralisme, qui est là déjà plus conforme aux mentalités européennes sur le sujet. Voilà, et donc je sais pas ce que je peux dire de plus, mais si je peux raconter une histoire, ce qui est toujours bien. Il y a un an ou deux ans, je crois, un jeune homme qui s'appelle Baptiste Gault, qui est scientifique de la physique des matériaux, qui encadre beaucoup de jeunes doctorants, est venu me voir et il a proposé à mes étudiants, les étudiants que j'ai à l'école d'art du Havre, qui sont graphistes, mais il y en a beaucoup qui sont illustrateurs, ou qui s'intéressent à ça. Et il nous a proposé de faire tout un travail en mettant en contact des doctorants anglais, allemands, français, etc., et puis des auteurs pour faire de la valorisation des thèses par la bande dessinée, parce qu'ils se rendent compte dans leur métier très spécifique de physique des matériaux que c'est relativement irracontable. Tout ce qu'ils font s'adresse qu'à un tout petit public, voilà, qui est celui qui finance quand même, mais ce qui est déjà ça pour eux, mais ils aimeraient aller au-delà, et du coup ils ont eu cette idée de travailler avec des auteurs de bande dessinée. Ça va pas se faire, le projet a capoté, mais il y avait des millions et des millions derrière. C'était vraiment un énorme truc qui engageait pas du tout que ça, c'était qu'un volet, et ce projet européen a capoté, mais on y reviendra. Mais en tout cas, ça montre que des scientifiques s'intéressent au fait de pouvoir avoir un support pour transmettre ce qu'ils font. Parce qu'ils font des choses complexes et intéressantes, et ils ont besoin de gens pour les aider à le faire passer. Voilà. Mais est-ce que vous pourriez peut-être donner un exemple dans un des deux livres de quelque chose qui a été possible de montrer à travers la bande dessinée, qui aurait été peut-être difficile de montrer avec du texte seulement? Oui. Il y a une certaine mise en scène qui fait qu'on voit l'apport spécifique de la, alors, de la bande dessinée. Je ne parlerai pas de la bande dessinée elle-même. C'est aussi les auteurs. Par exemple, je dis tout le temps que Marion Montaigne peut vous montrer un avion qui, au moment d'atterrir, dérape sur un lapin et tombe et prend feu.
Et ça, vous pouvez chercher des très très grands dessinateurs. Il y a des dessinateurs immenses. Je ne sais pas si vous voyez Gillon, par exemple, Paul Gillon. C'est un dessinateur ultra précis. Mais il n'aurait jamais pu dessiner ça. C'est pas parce qu'il veut pas, c'est que c'est avec son dessin, c'est impossible de dessiner un avion qui dérape sur un lapin. Il faut quelqu'un comme Marion qui est que dans l'expression et dans la vitesse et tout, qui vient vraiment du dessin animé au départ et qui est dans l'efficacité et puis le dessin qui se comprend. Voilà. Donc c'est le talent qui compte et qui fait que certaines choses peuvent être racontées par certaines personnes. Voilà. Je sais pas, par exemple, Gillon a justement dessiné des robots. Et s'il avait voulu raconter un robot qui veut arriver à aller voir Sarah Connor, mais qui n'y arrive pas parce que la marche est trop haute ou quelque chose comme ça, avec lui, ça rendrait rien. Avec Marion Montaigne, ça marche tout de suite. Donc voilà, l'auteur compte beaucoup. Il n'y a pas que le fait que ce soit de la bande dessinée, il faut voir qui fait cette bande dessinée. Et voilà. Voilà, ma réponse sans donner vraiment d'exemple, parce que je cherche, mais j'en trouverai peut-être. Je vous confie les livres pendant ce temps-là. Si vous en trouvez un, Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. c'est l'occasion de les relire. Donc vous, Pellicci, par rapport à votre travail, qu'est-ce qu'apporte la bande dessinée? Enfin, c'est du manga, mais c'est la bande dessinée. Hein, on va pas ergoter là-dessus. Et au fond, ce qui vous avez, enfin, ça vous a amené à faire ce travail parce que vous vous intéressez au manga et puis que vous pratiquez, mais pourquoi travailler sur la science aussi et en quoi faire du manga, ça vous êtes dit, tiens, ça peut me permettre de mettre en scène la science? Parce que vous auriez pu faire un manga sur toute autre chose. Oui. Faut savoir que du coup, moi, j'ai toujours aimé un peu parler de science en dehors de mon travail. Et donc, en fait, ce que j'ai commencé par faire, c'est de travailler en tant que journaliste scientifique pour une plateforme qui s'appelle EcoScience, qui est sur Grenoble. Et donc, pour laquelle je faisais des articles sur la science qui se faisait dans la région. Et donc, d'aller interviewer des chercheurs, couvrir des événements, etc. Et donc, tout ça. En fait, mon travail consistait simplement à rédiger des articles. Et en fait, la rédaction, c'est quelque chose qui est assez important en science, qu'on a l'habitude de faire. On fait voilà, on fait des thèses. Et du coup, écrire un article pour un journal scientifique, c'est un exercice un peu différent, mais qui reste quand même un peu bah, parler d'un sujet assez technique, avec des mots, essayer de le simplifier, etc. Et c'est vrai que moi qui ai toujours beaucoup dessiné, c'était assez frustrant. C'est un exercice qui est assez frustrant pour moi parce qu'il y a des choses que je peux exprimer en dessin que je ne peux pas exprimer en mots. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses et des concepts aussi qui sont vachement plus enfin, beaucoup plus simples à faire passer via du visuel que via des mots. Et puis même quand j'étais en cours, pour moi, il y a plein de notions qui restent abstraites à partir du moment où on ne fait pas de schéma. Du coup, vu mon passif et vu aussi mon goût pour le dessin, pour moi, en fait, c'est quelque chose d'assez naturel. Finalement, si je dois expliquer de la science à quelqu'un, je vais lui faire un dessin. J'ai pas d'autre choix, en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à parler de science via des petites BD sur mon blog. Et du coup, ben, le manga, en fait, c'est un peu juste une suite logique parce que ben, une histoire pour encadrer ça, c'est quand même aussi plus sympa. Ça permet de faire passer les notions un peu plus facilement et puis d'avoir un suivi. Et là aussi, quelque chose dans votre livre qui a été difficile peut-être à expliquer avec des mots et qui peut être beaucoup plus simple quand on le voit. Enfin, un exemple qui permet de se dire, tiens, là, il y a une efficacité propre de la bande dessinée qui est indubitable. Après, moi, il y a du récit, donc pour faire passer les émotions, c'est sûr que bah, le dessin, pour le coup, est très important. Après, je trouve aussi, même au niveau didactique, bah, le fait d'avoir justement ces petits schémas, c'est quelque chose d'important. Le fait de, je sais pas, d'y introduire un peu une action ou des événements comiques, je pense que ça aide aussi à faire passer les messages pas mal au niveau scénaristique. Alors justement, je voulais qu'on en vienne au récit, parce que mettre en scène la science en bande dessinée, c'est pas du tout évident, a priori. Et donc la question, c'est comment faire une bande dessinée? La bande dessinée, jusque-là, c'est d'abord des récits.
Alors, peut-être qu'à force de travailler, notamment dans des logiques de vulgarisation ou de création de documentaires, comme le fait la revue Dessinée ou d'autres, peut-être qu'on va arriver à partir de ce qu'on peut appeler le dispositif de la bande dessinée à faire autre chose que des récits, mais dans l'état actuel des choses, même pour faire passer des connaissances, bah, on le voit avec vos deux exemples, on passe par le récit de manière différente, mais on passe par le récit. Donc j'aimerais qu'on revienne un peu sur le récit. Alors, toute la question devient comment on met la science en récit? Et à deux, toute seule, enfin vous êtes deux d'une certaine manière, parce qu'il y a le scénariste et la dessinatrice, donc... Je vais donc faire deux parties de moi. Alors, je trouve que, enfin, pour le coup, je trouve que c'est important d'inscrire justement ces passages didactiques dans un récit, parce que, enfin, en tout cas pour moi, je trouve que ça aide à avoir, d'avoir un contexte, ça aide à rentrer un peu dans le dur, quoi. Parce que ce qu'on va expliquer, c'est pas forcément simple, c'est pas forcément des concepts qui sont faciles à s'approprier assez rapidement. Donc du coup, je trouve que avoir un contexte dans lequel ça va s'inscrire ou une progression, ça va aider à ce qu'on rentre un peu dedans. Après, c'est vrai que du coup, c'est là où la grande difficulté elle arrive, c'est qu'on va parler de choses qui sont très techniques. Donc moi en plus je suis scientifique, donc je vais avoir l'habitude d'en parler avec des termes spécifiques, des termes techniques, qui sont les termes qui correspondent exactement à ce que je veux faire passer. Et c'est vrai que quand on essaie d'arriver enfin quand on arrive à l'étape de vulgarisation, ben c'est David Wapre qui fait science étonnante sur YouTube, qui disait, ben, en fait, quand on fait de la vulgarisation, on ment toujours un peu parce qu'on va simplifier des concepts pour pouvoir les faire passer. Et donc, c'est là la plus grande difficulté, je trouve, au niveau scénaristique, c'est d'arriver à inscrire déjà, enfin, en tout cas pour moi, d'arriver à inscrire les notions que je veux faire passer dans un contexte. Parce que c'est comme ça que j'écris mes chapitres. En fait, je sais que je veux faire passer telle ou telle notion, et donc du coup, je vais écrire le récit en fonction des notions que je veux faire passer. Et puis, bah, va aussi falloir écrire bah, le texte et puis la narration qui va correspondre à ça, quoi. Donc, je sais pas moi, comment est-ce qu'on va expliquer, comment est-ce qu'on amplifie de l'ADN, comment est-ce qu'on fait du clonage, sans pour autant que ça soit un cours, quoi. Et du coup, faut arriver au bon équilibre. C'est-à-dire, Alors comment on fait justement? c'est compliqué. Alors, pour moi, c'est beaucoup d'aller-retour entre mes connaissances scientifiques et mon point de vue na narratif, où je veux que, bah, il faut que ça s'inscrive et que ça soit pas, bam, le cours de bio qui va s'intercaler dans le récit, mais plutôt quelque chose qui va être naturel, une discussion entre des personnes, par exemple, et qui fait que, bah, du coup, on va arriver plus facilement dans ce qu'on va penser être difficile, mais qu'en fait, l'est pas forcément. Du coup, c'est vrai que souvent j'utilise des parades, c'est-à-dire voilà, je vais faire échanger deux personnages. Il y a des petites techniques comme ça qui existent pour contourner ces difficultés, quoi. Et puis, ben, je vais d'abord écrire un premier texte qui va certainement être beaucoup trop compliqué, avec beaucoup de mots, beaucoup de termes scientifiques et beaucoup de mots spécifiques. Et puis, petit à petit, ben, je vais essayer d'alléger le discours, le rendre un peu plus simple, pour qu'en fait, il n'y ait que l'essentiel qui passe et que tout ce qui est notion accessoire, en fait, finalement, je les garde pour, par exemple, les cours du professeur Ocoli, qui, eux, vont expliquer plus en détail toutes ces notions, quoi. Et tu commences par ce que tu veux raconter, et ensuite tu plaques dessus une narration ou Ouais, alors ça dépend des moments. Parfois j'ai pas vraiment le choix parce que ben, y a des suites, donc du coup ben voilà. Mais c'est vrai qu'en général j'essaie. Enfin y a des moments où je sais que je veux essayer de faire passer telle notion, du coup je vais essayer de faire un chapitre autour de ça. Donc voilà, par exemple, un moment dans le premier tome, on va faire les deux clonages, et c'est parce que en fait, tout bêtement, en fait, enfin, le stagiaire va essayer de faire un clonage, donc il va devoir se réapproprier cette technique. Et en fait, c'est l'occasion pour les lecteurs, du coup, de découvrir ce que c'est, quoi. Mais en même temps, il y a une histoire qui est celle du stagiaire, qui est celle de son insertion dans le labo, des relations avec
ses collègues. Donc il y a ça aussi. Donc, ouais. et ça évolue de chapitre en chapitre. Et donc ça ne donne pas forcément, quand on le lit, l'impression que vous avez, même si on se dit qu'il y a cette dimension-là aussi, mais que vous avez de manière exclusive construit le chapitre autour de la notion truc ou machin, et puis ensuite mis le reste. Moi, j'ai eu plus, en tout cas en tant que lecteur, l'impression que vous arriviez à tricoter, j'allais dire, les deux, et qu'il y avait à la fois l'évolution au fond du schéma relationnel, de la relation entre les différents protagonistes, et en même temps, c'est pour ça que c'était intéressant à faire avancer, difficile à faire avancer, c'est pour ça que j'aimerais que vous réagissiez là-dessus, et en même temps, la présentation un peu didactique, voire parfois un peu encyclopédique, parce qu'on sort un peu de la bande dessinée, puis on peut un peu dans le schématisme du fond, quoi. Mais il y a bien les deux. Il y a à la fois le relationnel, la vie de laboratoire, et des gens qui ont leur mode de fonctionnement. Il y en a qui passent, il y en a qui sont un peu des passeurs, il y en a qui sont un peu sur le retrait, il y en a qui. Voilà. Mais c'est ça aussi la science, hein, c'est des gens qui la font, ça ne se fait pas tout seul. Mais il y a aussi le fond, je veux dire, la matière. Oui, bah, disons que je dirais qu'il y a trois aspects au niveau du scénario à gérer. C'est-à-dire il y a les personnages, c'est-à-dire qu'ils ont leur histoire en eux-mêmes, ils vont évoluer au fil du temps. Et à côté, il y a aussi ce quotidien de la science que décrit vraiment Materne et Méthode. Et je l'ai vraiment écrit pour ça, pour qu'on fasse passer comment se fait la recherche au quotidien. Et à côté, il y a aussi les notions scientifiques. Donc, il y a ces trois aspects-là que j'essaie de tisser vraiment à travers cette BD. Et du coup, il faut vraiment jouer avec les trois. C'est-à-dire que, en fait, du coup, quelquefois, les histoires des personnages vont me permettre d'aborder des aspects de la science, ou inversement. Et à l'inverse, je vais parler d'aspects de recherche, par exemple, qui vont avoir des impacts sur telle ou telle connaissance ou tel personnage. Donc, du coup, je vais essayer de jouer un peu avec ces trois aspects. Et en même temps, je trouve que ça évite justement que ça devienne trop routinier, c'est-à-dire qu'on fasse par exemple un chapitre une notion scientifique. Au contraire, j'ai envie que ça soit quelque chose de dynamique et du coup que ça varie un petit peu au fil des chapitres. C'est un peu la surprise du coup. Non, mais c'est ce que vous arrivez bien à faire, je trouve, justement, c'est à tresser ces trois fils-là. Et c'est ce qui fait que on est accroché et qu'on a envie d'avancer. Je veux dire aussi. Il n'y a pas que le côté, je veux dire, qui pourrait être un peu lourdement didactique. C'est pour ça qu'on reviendra sur cette question de la vie de laboratoire, qui est une manière de mettre en scène la science, qui est assez originale, parce qu'en définitive, je ne sais pas si ça a vraiment été fait. Je ne vois pas trop dans l'horizon. Bon, on ne connaît jamais tout, absolument, mais je ne vois pas trop dans l'horizon de la bande dessinée récente l'équivalent. Et je trouve que c'est une manière de mettre en scène la science, qui est tout à fait, qui est plus que pertinente, parce que c'est comment on fait la science, quoi. Si, peut-être qu'à sa manière, Van der Meulen, qui est le créateur de cette collection, là, David Van der Meulen, a écrit une sorte de biographie, mais en même temps qui est une biographie entrecroisée. À la base, c'est la biographie de Fritz Haber, qui est un chimiste fin du 19e, début du 20e siècle. Et la manière dont Van der Meulen raconte la vie de Fritz Haber. Alors là, ce n'est pas de l'intérieur, hein, parce que vous êtes à l'intérieur et vous avez vécu ça, c'est de l'extérieur, mais c'est vraiment fait sur un mode de sociologie historique de la science, parce qu'on voit très bien que, au fond, ce chimiste, déjà, il est juif, donc il a une identité juive, mais en même temps, il a une identité allemande, il la revendique, il travaille beaucoup pour exister socialement dans cette Allemagne du début du 20e siècle. Il mène des travaux, il mène une carrière, il rencontre des gens comme Einstein, il rencontre des gens comme Weizmann, etc., qui sont eux-mêmes des scientifiques et qui sont eux aussi juifs. Il rencontre Ratto aussi, le patron de la EG, etc. Et on voit petit à petit comment
il y a le fil scientifique, il y a le fil de la politique, il y a le fil de la stratégie, des militaires aussi, il y a le fil de l'économique qui se noue, et le fil aussi de l'ambition des uns et des autres, et comment tout ça se tresse, se noue pour arriver à un moment donné, produire de la science dans un contexte qui à la fois détermine la science et qui est déterminé en même temps par cette science, des effets de bouclage comme ça, qui sont très bien mis en scène, et on voit très bien les lieux où se font la science, qui sont à la fois les lieux de la paillasse, mais c'est aussi les lieux où les décisions se prennent, et qui sont des lieux de décisions politiques, par exemple, ou stratégiques. Et tout ça est remarquablement mis en résonance, et vous avez une sorte de biographie entrecroisée entre ces quatre personnages sur un fond de Première Guerre mondiale, et toute l'ironie ô combien horrible, odieuse même de la vie de Haber, c'est que il a inventé, il était un de ceux qui ont inventé les gaz qui ont été utilisés pendant la Première Guerre mondiale, et à travers ce type de travail, ça a amené aux gaz qui vont être utilisés par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les juifs, alors que lui-même est juif. C'est l'ironie de l'histoire, la petite avec un H, celle de sa vie, l'ironie de l'histoire globale est plus qu'impressionnante, là. Et là, on a une manière de faire, une sorte de sociologie historique de la science qui est tout à fait remarquable, avec en plus un dessin, un travail sur Olavis. Enfin, je l'avais rencontré, tu le connais bien mieux que moi. Donc, l'eau de Javel, qui dit lui. Alors voilà, c'était cette idée qu'il devait y avoir pour lui une relation directe entre, au fond, le matériel qu'il utilise, la mise en scène qu'il crée en termes visuels et graphiques, et puis le fond, ce dont il est question. Et comme il est question de chimie, il utilise la Javel pour diluer ses images, ça crée une sorte de flou tout à fait singulier, et qui donne une mise en scène tout à fait originale, et une bande dessinée qui est tout unique, qui est vraiment absolument originale. Il repart sur un prochain tome. On l'attend avec patience, il y en a quatre qui sont sortis, et donc on attend le cinquième, je ne sais pas s'il y en aura un sixième, il faudra qu'ils finissent, je ne sais pas. Il savait de toute manière que c'était, comme il disait, 10 ans, 20 ans de ma vie, donc effectivement, ce sera 20 ans de sa vie, et puis lancer cette collection, c'est une sorte de respiration avec d'autres travaux parallèlement dans son œuvre. Mais là, pour revenir à ce qui nous intéressait, on est dans une des rares bandes dessinées qui porte une perspective qui est de type sociologie historique des sciences et qui nous montre comment se fabrique la science dans un contexte qui est un contexte historique global, et c'est pas qu'une science qui serait à côté de l'histoire, mais bien une science dans l'histoire. Et ce que vous faites, certes à une autre échelle, mais ça va dans ce sens-là, et moi je trouve que c'est tout à fait intéressant pour la bande dessinée et pour la science, mais c'est ce que faisait aussi Marion Montaigne en allant voir des scientifiques dans leur laboratoire, en discutant avec eux et en se renseignant de manière précise sur comment ils faisaient les choses. Je pense que dans les trois cas, on a une excellente démarche qui permet justement de porter le récit et qui permet à la bande dessinée de parler de la science de l'intérieur, de l'extérieur, mais avec une sorte de sociologie des sciences. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit, on y reviendra, mais on va y revenir dans la foulée. Je laisse la parole maintenant à Jean-Noël. Et genre, juste une question, est-ce que tu imagines... Désolé, j'étais un peu long, mais c'était peut-être pas inintéressant. Là, c'est un premier tome et tu continues. Est-ce que tu imagines un jour, par exemple, que le cinquième tome ne parle pas vraiment de science, mais que tu restes sur tes personnages? Est-ce qu'ils sont importants à ce point-là, ou en fait, ils sont qu'un outil? Est-ce qu'ils sortent du labo? Alors, ils sortent du labo. Donc, il y a même des chapitres qui se passent en dehors du labo. Mais on va quand même rester sur un contexte où ils travaillent dans un laboratoire, et donc du coup forcément on va parler de science ou de choses comme donc ça. Donc tu gardes toujours ton but en ligne de mire. Clairement matériel et méthode est écrit dans ce but là. C'est ça. Mais oui. Et dans le genre de Fritz Haber, il y a aussi Logique Comics, qui est assez intéressant, qui est une bande dessinée sur l'histoire des mathématiques un petit peu, faite par une équipe grecque. Et c'est pas mal. Mais là, c'est plus sur les personnages, sur les scientifiques eux-mêmes, alors que c'est vrai que dans Fritz Haber, il y a tout le contexte. Ouais. Et c'est assez amusant. Je suis allé chez Van der Meulen il y a quelques mois. Et il a une énorme armoire
consacré à Fritz Haber. Il a tout ce qui s'est publié, il a tout lu, il est incroyablement sérieux et documenté, c'est étonnant. Et pendant qu'il le faisait, il m'avait demandé si je connaissais un scientifique très sérieux grâce à qui il pourrait inventer un dialogue entre Einstein et Fritz Haber. Et puis je l'ai trouvé, je l'ai envoyé vers Ivar Ekland, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand mathématicien du chaos et du hasard. Je venais de lire un livre de lui, je lui ai dit, tiens, écris à Ivar Ekland ce qu'il a fait. Et Ivar Ekland s'est retrouvé dans la petite BDTech avec un tome sur le hasard, qui est très bien. Mais dedans, il y a un arbre qui explique comment tous les hasards qui ont fait que le livre existait, ils m'ont oublié. Alors que je pense que je suis important, je suis capital dans l'histoire, mais ça m'a vexé. Mais, justement, ce n'était pas le hasard. C'était pas tant que ça le hasard, mais voilà. Mais en tout cas, oui, le récit, pour moi, c'était capital. Il fallait... Alors, je ne sais pas faire un récit, en plus, je ne suis pas écrivain, hein, je suis plutôt essayiste. Tous les livres que j'ai faits jusqu'ici étaient des essais, mais... Pour moi-même, je travaille par association d'idées. En fait, chaque idée est la suite de celle d'avant. Je ne suis pas du tout... Je fais pas partie des gens qui font un plan bien encadré, et puis qui... point 1, point 2, point 3, etc. Non, je saute d'une idée à l'autre. Et ça se prêtait très très bien. C'est ce qu'on fait dans les deux livres. Et puis, comme... En bande dessinée, il y a le récit, il y a le dessin, et puis il y a le personnage. C'est un élément essentiel dans la bande dessinée quand même, historiquement, même les toutes premières bandes dessinées, il y avait déjà des personnages. Et là aussi, on a eu besoin, comme ça, dès le départ, de créer un personnage. Et ça nous permettait de faire un espèce de fil ou de câble. Voilà. Et bon, bah, toi aussi, tu as utilisé des personnages. Ce qui est, mais dans la collection, la collection est intéressante. Parce que il y a beaucoup d'expériences, en fait. Il y a des choses très différentes. Il y en a où il n'y a pas de personnage, justement, où il n'y a rien. Il y en a où il y a un narrateur qui présente des choses tout le temps. Par exemple, celui du Bear Reeves, ben, on voit Bear Reeves qui se balade et puis qui raconte des trucs. Voilà. Mais il y a tout un tas d'expériences très diverses. Il y en a où il y a juste des suites d'images et puis il faut lire le texte pour comprendre l'enchaînement. Là, il y a quand même une lecture par l'image et une lecture par le texte. Voilà. Mais en tout cas, oui, dans notre cas, pour les deux livres, le récit était... il fallait vraiment un récit, voilà, et des personnages. C'est peut-être plus ça, même que le dessin qui compte dedans, même si le dessin... enfin, c'est ce qui est le plus spécifique dans la bande dessinée pour moi, pour raconter bien la science, c'est plutôt le récit et puis un support comme le personnage qui compte. Mais je dis ça, et puis en même temps, le dessin est très important aussi. Donc, Mais justement, on pourrait peut-être parler du dessin. Alors, bon, vous n'êtes pas dessinateur, mais vous êtes dessinatrice. Est-ce que le fait, puisque nous sommes en bande dessinée, d'utiliser le dessin, et que quand on fait de la bande dessinée... tout est dessiné dans la bande dessinée, c'est à la fois une palissade, une évidence, mais en même temps il faut y revenir parce que c'est fondamental. Si vous mettez une table, c'est que vous l'avez dessinée, elle n'est pas là par hasard, elle n'est pas tombée du ciel, elle n'était pas là dans le cadrage, etc. Donc quand quelque chose est mis, c'est que le dessinateur l'a mis volontairement dans sa case. Donc c'est pour ça que je disais que quand on dit tout est dessiné, c'est à la fois complètement évident, puis en même temps quand on y réfléchit, c'est plus compliqué que ça. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça a des implications fortes. Donc, le dessinateur, il est amené en bande dessinée pour présenter de la science, par exemple, mais quel que soit le récit, mais là, on parle de science, à créer des solutions aussi graphiques pour mettre en scène les choses. J'aimerais qu'on revienne là-dessus, à la fois sur ce fait que tout est dessiné, et je pense que c'est pas anodin, et en même temps, la nécessité de trouver ce qu'on peut appeler des solutions graphiques à des problèmes qui sont ceux du récit. Parce qu'il y a le récit, et puis encore une fois, on aurait pu le transcrire sous forme de texte, mais là, c'est sous forme d'image. Donc, il faut trouver des solutions graphiques pour mettre en scène les choses. Donc, voilà, j'aimerais qu'on revienne à ces deux questions-là. C'est-à-dire À la fois le fait que tout soit dessiné. Donc, ouais. Quand vous créez une case, une planche, vous réfléchissez à ce que vous mettez dedans, qu'est-ce que j'y mets, jusqu'à quel point je détaille, par exemple, le labo, la paillasse. Est-ce que c'est une volonté didactique ou c'est simplement un décor?
Et le fait que le labo soit simplement un décor, ou soit plus qu'un décor, ou un décor complètement abouti qui prend un sens fort dans la bande dessinée, c'est pas, peut-être pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est dans ce sens-là, quoi. Après, donc, ouais, je dirais que là, en l'occurrence, dans mon récit, alors il faut savoir que comme je travaille toute seule sur la BD, il faut savoir que les décors me coûtent énormément, c'est-à-dire que j'y passe énormément de temps. Et du coup, c'est vrai que il y a des cases où il n'y a pas de décor, et c'est pas choquant, je veux dire, en manga, ça, c'est très souvent qu'il y a des cases où il n'y a pas de décor. Et par contre, les cases où il y a du décor, il faut. Comme ça se passe dans un laboratoire et que le cadre est très important, du coup, je vais essayer d'y mettre le plus d'attention possible. C'est-à-dire qu'il y a énormément de détails et ça prend énormément de temps. je veux dire, dessiner des plaques à travers ses suies, ça a été le pire choix de ma vie, mais c'est. Les choses sont pas là par hasard, et en plus de ça, pour que le labo ait l'air vivant, il faut qu'il soit rempli. C'est-à-dire qu'il y a plein d'objets à dessiner. En plus, je veux dire, un labo n'est jamais rangé, donc du coup, il y a toujours des trucs qui traînent à droite à gauche. Donc, c'est effectivement quelque chose auquel je vais y porter quand même une certaine attention et qui sont importantes. Sachant que ben, ça pose aussi ben, le cadre, c'est-à-dire le milieu dans lequel évoluent les personnages, et clairement. Avoir une idée visuelle du laboratoire, bah, ça aide à s'immerger un peu dans cette ambiance, quoi. Oui, le dessin, ce qui est intéressant, c'est que pour que, enfin, si quelque chose est dessiné, c'est que le dessinateur l'a mis, mais si c'est pas dessiné, c'est aussi que le dessinateur a choisi de pas le mettre. Dans le dessin, on peut aussi enlever des choses, on n'est pas obligé de tout mettre, hein, et on peut se concentrer sur l'essentiel. Finalement, le dessin, c'est une synthèse, c'est ce qui est intéressant aussi. Il y a un exemple qui est très très connu, qui est celui des livres de champignons. Vous connaissez les livres de champignons. Autrefois, ils étaient dessinés à la main par des gens qui faisaient une synthèse de tel ou tel champignon. Et du jour où c'est devenu des livres de photos, le nombre d'intoxications a explosé. Et c'est pas parce que les gens avaient perdu le lien avec la campagne, je sais pas, c'est que juste une photo d'un champignon singulier, ça dit pas tant de choses que ça. Alors que quelqu'un qui a bien réfléchi à ce que c'était qu'un cep, etc., il va en faire un dessin qui va permettre de reconnaître le champignon à chaque fois. Donc le dessin a une puissance énorme que tout n'a pas. Et voilà, quand on voit une série télé, un film, etc., les décors, par exemple, sont importants aussi, mais ils coûtent très très cher. En bande dessinée, une des choses qui est pas mal, c'est qu'on peut avoir le décor qu'on veut. Si on veut avoir 50 fauteuils Ames très, très beaux, très chers, on peut. C'est facile, il suffit de les dessiner, ça prend du temps, mais. Voilà, alors que pour un film, mon frère était décorateur et il est déjà arrivé de devoir rechercher tout un tas de meubles et tout. C'était beaucoup de sport à chaque fois. Voilà. Donc il y a cet avantage-là aussi. Je crois que c'est Jacques Martin, créateur d'Alix, qui disait que c'était le. Il aimait bien la bande dessinée, il aurait autant aimé faire des films, mais ça lui permettait de faire du cinéma gratuitement, quoi, qui lui coûte rien. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne approche de la bande dessinée, ceci dit, j'aime bien Jacques Martin. Alors, Jean-Noël Lafargue, vous avez travaillé avec Marion Montaigne. Alors, on sait tous ou presque que Marion Montaigne, elle a son travail propre en matière de vulgarisation de la science. Et donc, c'est un travail qui croise vulgarisation de la science et en même temps humour. Et ça fait beaucoup de choses à la fois, parce qu'elle fait passer quelque chose qui relève du savoir, et puis en même temps, elle le fait avec humour, et un humour qui fonctionne indubitablement bien. Et son humour, alors la science, c'est la science, ramène, non, la BD ramène sa science. Et bien là, c'est Marion Montaigne qui ramène son humour dans la BD. Donc, et ça se sent effectivement, comme je disais, presque à chaque case, parce que chaque case est quasiment un gag. Bien Est-ce que c'est sûr. facile de travailler avec elle? En gros, c'est quoi la différence entre travailler avec Mathieu Burnia, qui, vu de l'extérieur, semble être une sorte de bon élève,
On ne sait pas, hein, j'en sais oui, rien. Oui, oui, il est Et assez marrant, Marion Montaigne, qu'on voit comme une sorte de trublion un peu agité, mais dans le sens positif du terme, hein, je veux dire, avec une agitation intellectuelle. Non, c'est une immense humoriste, ça, il n'y a pas de problème. C'est parmi les plus grands humoristes de la bande dessinée d'aujourd'hui. On rit tout le temps, quoi. Je ne sais pas si vous avez lu son dernier livre, qui est dans la combi de Thomas Pesquet, qu'elle a fait avec Thomas Pesquet. Pas comme scénariste, mais comme... comme matériaux et documentation, puisque Thomas Pesquet l'a emmené un petit peu partout. Il l'a emmené en Azerbaïdjan et tout. Enfin, c'est incroyable. Et pourtant, ce que les gens retiennent beaucoup, c'est l'humour. Mais je sais, j'ai pas de théorie là-dessus, mais apparemment, ça marche. Un éclat de rire permet de se rappeler d'une chose. Beaucoup de gens me racontent des choses qu'ils ont vues dans du Marion Montaigne, qu'ils ont lu ou qu'ils ont vu dans ses dessins animés, puisqu'il y a des adaptations animées quand même très très fidèles de son travail. Et voilà, alors c'est facile de travailler avec elle parce qu'elle est très bonne patte, c'est quelqu'un de très très agréable, qui est aussi drôle dans la vie que finalement dans ses bandes dessinées, mais qui est en même temps très très sérieuse. Finalement, Mathieu est très sérieux aussi, mais Marion est vraiment très très sérieuse. Je ne sais pas comment l'expliquer ou ce que je pourrais trouver comme exemple, mais disons, elle est extrêmement pointue, elle ne veut jamais dire de bêtises, elle a un syndrome comme ça de bonne élève, elle veut être sûre de ce qu'elle raconte, elle vérifie tout, elle envoie toujours aux scientifiques qu'elle a rencontrés ses pages pour qu'ils lui disent si elle a bien compris, etc. Ils lui disent toujours oui. Et voilà, mais elle est vraiment très, très sérieuse. Est-ce que c'est pas aussi je sais pas si c'est l'angoisse, mais de l'humoriste, mais qui fait de la vulgarisation. Donc, un peu dans une logique paradoxale, parce que si on fait de la vulgarisation, il faut quand même être sérieux, justement. Oui. Mais en même temps, pardon, elle le fait avec humour, et donc il y a toujours ce risque d'interaction et que l'humour en vienne à dépasser le côté scientifique, savoir, mais à le subvertir aussi, et peut-être à décaler les choses et à aboutir à une sorte de déplacement du savoir et peut-être rentrer dans le faux, quoi. Donc, il y a peut-être cette question-là, quoi. Parce qu'en fait, le secret de Marion Montaigne, à mon avis, c'est qu'au départ, elle ne voulait pas faire de la vulgarisation scientifique. Ça la passionne. Et elle a commencé à faire des trucs amusants, parce qu'elle est amusante, à partir de la science. Et puis petit à petit, elle est devenue presque naturellement une autrice de vulgarisation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le pari de l'intelligence finalement, puisque par exemple, quand elle montre un globule blanc qui porte une robe, on n'est pas censé le prendre au premier degré. Aucun lecteur est censé se dire « les globules blancs ont une robe ». Ce n'est pas ça. Et donc, voilà, y a un petit jeu avec le lecteur qui est intelligent avec elle, en fait, et puis qui comprend ce qui est drôle, qui comprend ce qui est de l'exagération, puisque l'exagération compte énormément dans son travail. Qui comprend que, évidemment, tel animal ne parle pas, telle chose n'existe pas. Enfin, elle joue beaucoup avec des choses qui n'existent pas ou qu'elle caricature, parce qu'elle sait que le lecteur va comprendre, et ça marche. Voilà, je peux pas vraiment le... Par exemple, là, on s'est bien amusé, on a fait un truc sur l'intelligence artificielle, où on finit un petit peu en... Pas en se moquant de l'intelligence artificielle, mais en la ramenant un petit peu à des justes proportions. C'était le moment où Bill Gates, Hawkins, etc., était en train de dire qu'il fallait légiférer l'intelligence artificielle, que l'ordinateur allait devenir plus intelligent que les humains et allait tous nous tuer, etc. Et nous, on explique ce avec quoi luttent les scientifiques eux-mêmes. Ils sont à des lieux et des lieux de donner de la conscience à des machines. Pour le moment, ils leur font jouer aux échecs, qui est quelque chose de... Je ne vais pas dire bête, c'est pas vrai, mais qui est... on est très très loin de la machine consciente. Mais on fait tout ça, et en même temps, notre personnage est un robot qui est plus ou moins conscient. Donc il y a une espèce de gag
dedans, puisqu'on dit que les machines ne sont pas conscientes, et puis notre héros, lui, l'est, plus ou moins. Voilà. Mais le lecteur le comprend, je pense. Voilà. Alors, on a vu tout à l'heure que la bande dessinée, même quand elle parle de science, elle parle de quelque chose qui renvoie à la société, au social, et peut-être même aux politiques. Et donc j'aimerais qu'on revienne à ces questions, parce que d'un côté, vous mettez en scène justement un laboratoire. Il y avait des sociologues des sciences comme Bulgare et Latour qui avaient écrit justement un ouvrage qui est devenu célèbre, hein, sur la vie de laboratoire. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez fréquenté ce type de sociologie, mais ça va tout à fait dans la même perspective. Et donc j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Je ne sais pas s'il y a une ambition sociologique dans votre livre à la base, c'est peut-être moins ambitieux, mais en tout cas, il me semble que ça y est. Et puis, de votre côté, notamment sur Internet, c'est un réseau qu'on fréquente tous, qu'on utilise tous, et qui a des enjeux, qui emporte des enjeux politiques considérables, et vous parlez de ces enjeux, et j'aimerais qu'on y revienne aussi. Donc, comme vous voulez, peut-être Pellicci en premier. Je dirais que il n'y a pas de vraie volonté sociologique avec ma BD. Enfin, la seule qui est, c'est que je voulais que on ait une meilleure idée de ce qui se passe dans les laboratoires, parce que globalement, moi, quand je faisais ma thèse, déjà, ça impressionnait les gens. Oh, tu fais une thèse, mais qu'est-ce que tu fais? Et donc, du coup, on se retrouve à expliquer ce qu'on fait. Donc, moi, je travaillais sur des bactéries, je faisais évoluer des bactéries, voilà. Et du coup, mais c'est dangereux, etc. Et en fait, on réalise que, on travaille dans un milieu que, finalement, les gens... Enfin, je veux dire, vraiment, tout le monde en a une opinion, enfin, une certaine idée de ce que c'est, quoi, le milieu de laboratoire. Mais en fait, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on fait en vrai. Enfin, je veux dire, il y a l'idée qu'on s'en fait grâce aux films ou je sais pas, les documentaires qu'on peut voir. Mais en fait, on voit qu'une infime partie de ce qui se passe dans un laboratoire. Et puis, du coup, puis quand on est confronté à la question « Alors, tu trouves ?» je trouve tous les jours, mais je ne fais pas des grandes découvertes. C'est logique. Du coup, je voulais vraiment parler de ce qu'on fait dans les laboratoires, de comment est-ce qu'on fait la recherche au quotidien, tout simplement. Voilà. C'était ma seule ambition. Est-ce qu'il y a de faire des vocations aussi? Est-ce que tu te dis que des jeunes, en lisant ça, vont se dire « Ah, c'est ça que j'aimerais faire comme métier ». Alors, en fait, il se trouve que pas mal, ouais, dans mes lecteurs, il y a eu des gens qui déjà voulaient faire un peu de recherche, et du coup, ça leur a donné une meilleure idée de comment ça se passait au jour le jour, et voilà, comment est-ce que les chercheurs interagissaient, comment est-ce qu'on travaille, etc. Donc ça peut déjà les rassurer un peu, sortir un peu de ce mythe du laboratoire avec des scientifiques fous, je sais pas. Et en même temps, ma volonté, c'était pas forcément de susciter des vocations, mais en fait, ça en crée quand même. Il y a des jeunes qui le lisent et qui ont envie de voir de plus près ce qui se passe dans les labos, et ça fait plaisir. Après, je dirais que mon but, il n'allait pas plus loin que, par exemple, PhD Comics, qui simplement racontait, ou un doctorant racontait un peu sa vie au labo, via des petits gags. Et en fait, on s'identifie tous, une fois qu'on est en thèse, à ce qui se passe, parce qu'on a tous ce genre de problème. Et donc, du coup, en fait, j'avais envie de créer un peu une BD auquel on pouvait s'identifier en tant que chercheur ou doctorant, et à laquelle auquel on pouvait justement découvrir le... à travers lequel on pouvait découvrir le monde de la recherche quand on n'est pas scientifique, justement. Ah, ça, c'est la vie de labo, mais en même temps, vous parliez de thèse, là, ça me fait penser à un autre livre qui se trouve sur la table, là-bas, qui est le livre de Tiphaine Rivière, qui raconte une histoire qui était la sienne, enfin, elle la met en scène sous la forme, là aussi, d'un récit, mais qui est l'histoire de sa thèse avortée. Donc elle avait commencé une thèse, alors là, c'était pas dans le domaine scientifique, c'était dans le domaine de la littérature, et elle avait commencé une thèse, elle n'a pas fini sa thèse, et elle raconte ce que c'est que, voilà, carnet de thèse, donc aux éditions du Seuil, c'est sa première bande dessinée, elle vient d'en sortir une il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui est une bande dessinée de fiction cette fois, mais ça c'est très très bien fait pour... retranscrit en fait ce que c'est que l'expérience de la thèse
Alors là, plus en sciences humaines, humanités, sciences sociales, mais on s'y retrouve très largement. J'avoue que je m'y suis retrouvé assez largement aussi. Et donc, je veux dire, on peut attester de la véracité d'un certain nombre de choses. Et on voit que la thèse, bah, c'est une histoire, on parlait de récit, et c'est l'histoire d'un moment de vie et qui prend, je veux dire, sur la vie entière. Et les gens qui font une thèse, on le sait tous, pour ceux qui en ont fait une, bah, ça vous mobilise, et ça vous mobilise quand même, un certain nombre d'heures par jour, par semaine, et par année, et on n'en sort pas indemne, quelle que soit la discipline, quelle que soit la discipline, et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Donc c'est une véritable expérience. Et là, on a cette restitution de cette expérience sur un mode assez humoristique, mais en même temps très précis. Alors, là, non, moi, j'avais reçu Tiffen et puis Yasmine Boaga, qui a créé la collection Sosorama. Et effectivement, c'est intéressant de voir comment on peut faire de la sociologie sans savoir qu'on en fait. Hein, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans savoir qu'il en faisait, mais peu importe, c'est pas grave. Je veux dire, moi, je pense que votre livre, c'est une bonne... c'est un bon livre de vulgarisation, mais c'est aussi une bonne sociologie pratique. Peut-être sauvage, mais d'autant plus intéressante qu'elle est sauvage, justement, de la vie d'un laboratoire et de ce que c'est que faire une thèse, au passage. Et, alors, il faut à la fois montrer que c'est effectivement une expérience de vie, que c'est difficile, mais en même temps, que c'est plein d'humanité. Et ce que vous montrez, c'est qu'à la vie d'un laboratoire, c'est des hommes et des femmes, c'est des relations. Et ça compte. On ne fait pas de la science sans... sans cette matière première, qui est vraiment première, qui est les hommes, des hommes et des femmes. Et peut-être deux mots là-dessus, non ? Question, tu t'es documenté dessus ou c'est juste d'expérience, souvenirs, oui, de laboratoire ? En fait, il y a beaucoup d'expériences personnelles, mais il faut aussi savoir... Enfin, deux de mes amis qui sont aussi beaucoup doctorants ou ont fait des thèses, etc. Du coup, j'ai eu aussi des retours. Et du coup, en combinant un peu mes expériences, celles de mes amis, etc., on arrive à tout ça, mais finalement il y a une certaine universalité de certaines choses qui se passent quand on est en thèse, ce qui fait que du coup aussi on peut facilement s'identifier quand on est dans le milieu, ça crée cet intérêt. Jean-Noël, sur la question politique, notamment avec Internet, avec l'intelligence artificielle aussi peut-être, mais oui. C'est particulièrement souligné dans le livre sur... Mais pour rebondir quand même encore juste là-dessus, il y a aussi une tradition importante en bande dessinée de documentation. Il y a beaucoup d'auteurs qui font des livres qui ne sont pas des livres à vocation scientifique, mais qui se documentent énormément. Par exemple, Aude Picot, je ne sais pas si vous voyez, qui est une autrice, son avant-dernier livre, s'appelle Idéal Standard, c'est un truc un peu désespéré sur le couple. C'est un très beau livre, je le trouve assez émouvant et assez fort. Très bien. Et dedans, il y a toute une partie qui se passe dans un service de néonatalité. Et en fait, elle s'est énormément documentée. Elle y a passé un temps fou, alors que c'est qu'une partie du truc. Mais c'est une tradition. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait ça. Alors maintenant, Internet, pour moi, c'est quand même beaucoup un espace politique, avant tout. Et ça, il fallait que ça soit dans le livre. Mais ma première motivation, quand on m'a proposé de faire ce livre, c'était de montrer aussi que c'était un espace physique. Puisque pour tout le monde, Internet, c'est le cloud, c'est virtuel, etc. Et en fait, non, c'est des millions de kilomètres de câbles qui passent sous les mers. Et c'est de ça que je voulais parler. On a enlevé une anecdote que je trouve très bonne sur les requins qui mangent des câbles. Mais tant pis, on ne savait pas où les caser. Parce qu'il y a des requins, on ne comprend pas pourquoi, qui adorent bouffer les câbles qui sont au fond de l'Atlantique. C'est très bon, les câbles. Et oui, alors du coup, maintenant, parce que je ne sais pas si vous savez, les câbles qui traversent l'Atlantique, ils sont à une telle profondeur qu'il n'y a pas d'oxydation et donc ils ne sont pas gainés. Il n'y a pas besoin de gaines. Donc ça fait une énorme économie de matière. Oui. Ça ne servira à rien à cette profondeur-là. Mais ils ont été obligés de les renforcer pour les requins. Donc il n'y a pas de gaines pour l'oxydation, mais il y a un renforcement pour les requins. Et malheureusement, ça n'est pas dans mon livre. Mais voilà. Mais sinon, oui, je voulais parler de tous les aspects politiques, puisqu'il y en a beaucoup, alors qui évoluent en permanence, et je pense que le livre le dit aussi. Et c'est vrai que les aspects politiques d'Internet d'aujourd'hui ne sont pas ceux de dans 10 ans.
même si je ne rejoins pas les gens qui pensent que toutes les questions qu'on posait au début de l'Internet grand public, il y a 25 ans, sont caduques. Je pense qu'elles sont toujours assez actuelles. Il y a Eric Sadin, je ne sais pas si vous voyez, c'est un essayiste, qui a fait une vidéo où il se moque un peu de Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, en disant qu'il est un peu ringard parce que... il s'intéresse encore aux libertés sur Internet, alors que Internet, c'est plus ça, etc. Mais je pense qu'il a tort et qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et finalement, plus ça va, plus on utilise tous Internet, et moins on se rend compte des implications de tout ce qui se passe. Alors on nous fait très peur avec les GAFAM, les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, en nous disant, regardez, ce qu'ils font, c'est horrible, Amazon jette des livres, etc. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça cette semaine. Il y a eu un gros article qui expliquait qu'Amazon détruisait des parties de son stock. Et, voilà, et donc plein de gens ont relayé ça. Mais on est toujours prompt à taper sur le méchant Amazon. Mais en fait, les affaires sont quand même plus compliquées que ça. Il y a beaucoup plus de... Déjà, la FNAC aussi jette des trucs. Et puis tout le monde, en fait... Il y a eu un très bon article qui explique comment fonctionnent les stocks aujourd'hui et qui montre que Amazon n'est pas le pire, en fait. Au contraire, puisque font du stock. Mais bon, c'est une autre affaire. Je peux vous parler d'Amazon. Mais voilà, donc il y a énormément de questions politiques qui nous concernent. On est tous, en fait, sans le savoir, des citoyens d'Internet, y compris quand on l'utilise, en ignorant totalement qu'on utilise Internet. Je ne sais plus, c'est aux Philippines. Il faudrait que je relise mon livre, mais que 80% des gens sont sur Facebook et il n'y a que 10% des gens qui savent qu'ils sont sur Internet. Ils sont sur Facebook, mais ils ne savent pas que c'est Internet. Ils disent « Oh, bah, ça, c'est un truc d'autres pays ». Mais non, non, ils sont bien sur Internet. Et nous-mêmes, on utilise Internet tout le temps, même sans l'utiliser. Par exemple, vous payez par carte bleue, bah, la validation, maintenant, elle se fait par... Autrefois, c'était par une ligne RTC, puis maintenant, ça passe par Internet. Vous donnez un coup de téléphone, il y a toute une partie qui passe par Internet, même si vous avez une ligne non dégroupée, etc. C'est quelque chose de très important. Et l'idée, c'était de montrer ça dans toutes les dimensions possibles. J'en ai mis autant que je pouvais. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec moi sur quoi il fallait mettre l'accent ou pas. Mais ce qui a un petit peu décidé des choix, ça a été le récit et le dessin. Le récit nous a un petit peu imposé de mettre l'accent sur telle ou telle chose. Par exemple, vous avez cette histoire de requin qui a sauté, bah, c'est parce que ça rentrait nulle part. Et du coup, ça n'a pas été dans le livre. Il ne s'agissait quand même pas de farcir la tête des gens avec que des faits assénés comme ça les uns à la suite des autres. Il fallait que ça soit fluide, c'était vraiment mon vœu avec cette bande dessinée. Je pense que ça marche assez bien. Je ne vais pas dire que celle que j'ai faite avec Marion Montaigne est moins bien. C'est du Marion Montaigne, je ne vais pas dire ça. Mais on a eu moins de temps. Il y a eu un problème de démarrage, puisqu'il y a eu un changement d'auteur en cours de route. Et du coup, on aurait pu faire, à mon avis, beaucoup mieux. Mais ce n'est pas pour en dire du mal, c'est un livre qui est... Il vaut tout à fait le coup. Mais il a d'autres défauts, comme le fait qu'il s'inscrit au début de la nouvelle vague de l'intelligence artificielle, et il y aurait peut-être plus de choses à dire maintenant. Voilà. Mais voilà, c'est pour juste une toute petite question avant de passer la parole à la salle, avant de vous passer la parole. Dans ces livres, il n'y a pas de chapitre. Alors, est-ce que c'est une volonté dans pour les nôtres, tout chapitre, ouais. Alors, je n'ai pas lu tous les livres de la collection. Est-ce que c'est une volonté qui traverse toute la collection ou c'est... Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est que La Petite Bibliothèque des Savoirs, c'est vraiment un projet d'auteur. C'est David Van Der Meulen est auteur de bande dessinée. Il est à la fois scénariste et dessinateur, il connaît bien. L'éditrice, Nathalie Van Kampenhout, aime beaucoup la bande dessinée. Elle respecte énormément les auteurs, elle aussi. Et l'idée, c'était pas de donner carte blanche, ça voudrait rien dire, quand même, puisqu'il y a en général une commande et puis une discussion quand même sur ce qu'il y a dans le livre. Mais à chaque fois, ils ont été très très respectueux des spécificités de chaque auteur.
on ne confond pas les livres. Il y en a un sur le heavy metal, par exemple, qui est constitué que de fiches. Il y a une page avec une fiche qui raconte un truc. Il n'y a pas du tout de narration. Celui sur le minimalisme, il n'y a pas de personnage. Il n'y a que des objets, les uns à la suite des autres, et puis du texte, mais il n'y a pas de personnage. Il y a pas, voilà. Ils sont tous relativement différents. Voilà. Et il y en a qui sont chapitrés, par exemple celui sur les requins, que je vous conseille. J'aurais jamais acheté un livre sur les requins, mais je l'ai eu gratuitement. Parce que c'est une soirée requin, c'est un peu. Donc, je veux dire. Mais voilà, j'aurais jamais eu l'idée d'acheter un livre sur les requins. J'avais l'impression que je devais en savoir assez sur les requins. Je savais qu'ils mangeaient des câbles, ce qui n'est pas dans le livre sur les requins. Mais en fait, c'est un livre très, très, très réussi où on apprend énormément de choses, superbement dessiné et chapitré d'une manière assez, je ne vais pas dire scolaire, mais c'est un livre comme ça, très sérieux. Mais il fonctionne très, très bien. Ils sont tous très différents. Hein. Maintenant, il y en a 28. Il y en a même le tout dernier qui s'appelle le roman photo. Il est fait par une non-dessinatrice qui est Clémentine Mélois. Elle ne dessine pas. Elle a juste collé des trucs et puis... gribouillé, mais il n'y a pas de dessin. Ils sont tous assez différents les uns des autres. Quoi. C'est une collection intéressante pour ça. Et puis, y a quand même des auteurs que je trouve assez, assez super. Il faudrait que je vous dise la liste, mais je... Non, bah, peut-être pas. Non, pas. Allez, jusque-là. Dans une dernière question à Pellicci. À la base, votre travail, on le trouve sur Internet. Et maintenant, on le trouve aussi sous format papier. C'est une auto-édition, d'accord. Vous avez sûrement cherché des éditeurs. C'est toujours difficile, sauf quand on a la chance d'être dans une logique de commande. Mais ça, bon, ça arrive pas pour tous. Voilà, comment on passe au papier, du numérique au papier? Alors, en fait, il se trouve que... Ben, vu que c'est un manga qui était publié en ligne, en fait, il se trouve qu'il avait déjà ses lecteurs. Et du coup, j'ai fait le choix de ne pas passer par une maison d'édition parce que, en fait, je ne connaissais pas du tout le monde de l'édition. Moi, je sortais de ma thèse. Pour moi, je connaissais juste comment est-ce qu'on publiait des papiers dans les journaux scientifiques, c'est tout ce que je savais. Du coup, je me suis un peu épargnée cette peine d'aller démarcher des éditeurs vu que j'avais déjà un peu mes lecteurs. On a fait un financement participatif, et puis avec ça, j'ai imprimé le livre. Et puis, du coup, j'en ai imprimé plus avec toute la collecte qu'on a fait, et du coup, j'ai pu en distribuer un peu. Et vous le distribuez comment ça... Alors, il est dans... Alors, essentiellement, je le vends sur des salons. Après, il est dans quelques librairies, par exemple la librairie Expérience à Lyon, ou à Paris, il est chez Au Renard Doré, et puis maintenant, il est distribué sur Internet par Gilbert Joseph. Voilà, mais au début c'était vraiment juste du bouche à oreille et puis essentiellement des salons parce que il fallait quand même lui faire un petit peu connaître. Voilà. Ok, maintenant la parole est à vous, donc si vous avez des questions. Oui, allez-y. On n'a pas parlé du fait que du lectorat éventuel. C'est-à-dire à qui ça s'adresse, il faut pas faire une dimension éducative. Alors, il y a la dimension individuelle, mais il y a aussi la dimension collective. Ici, on est dans un établissement d'enseignement universitaire. C'est aussi l'usage qu'on peut en faire, que peuvent en faire les enseignants par rapport à leurs propres élèves ou étudiants. Donc, ça, c'est ce que vous y pensez éventuellement à l'usage éducatif. On peut faire de votre ouvrage dans la mesure où il n'est pas simplement destiné, comme le roman, à un lecteur silencieux, disons, mais à un groupe de gens à propos duquel on va parler de choses qui concernent l'objet ou la thématique du livre. Oui, c'est une question importante. Et d'ailleurs, il y a une sorte de, comment dire, d'espace supplémentaire éventuellement par rapport à ce. Vous avez genre qu'il y a de plus en plus de livres. Il y a de plus en plus de livres dans ce registre qui sortent et du coup ça commence à devenir des rayonnages, ce qui est bien. C'est-à-dire qu'il y a des rayonnages de bandes dessinées didactiques, pédagogiques, etc. Et donc ça commence à devenir presque un genre à part entière, identifié par le public.
Et puis ensuite, à qui ça s'adresse, c'est vraiment une question compliquée. Par exemple, pour la petite BDTech, on nous demande à chaque fois, oui, ça c'est pour quel âge les enseignants, par exemple, ont besoin de savoir à quel âge ça s'adresse. Les adultes qui achètent pour leurs enfants ou pour eux-mêmes ont besoin de savoir aussi. Dans la collection, il y en a un sur l'histoire de la prostitution, par exemple, c'est un problème. Il y en a qui sont faits pour des gens de 12 ans, disons, et puis l'histoire de la prostitution, c'est déjà moins grand public, finalement. Ce qui a posé des problèmes, d'ailleurs, puisque l'autrice a été interviewée une prostituée, elle a rajouté ça dans le livre, et l'éditeur lui a dit qu'il fallait pas, qu'ils allaient perdre tout un lectorat, ils voulaient un truc plus lisse, quand même, ce qui était un cas de censure. Elle était très malheureuse. Mais bon. Mais finalement, par exemple, je vois la démarche de Marion Montaigne, elle ne s'est jamais posée la question. Elle fait ce qui lui plaît, et puis il se trouve que ça plaît à des gens, mais ça lui arrive de plus en plus souvent, d'autant qu'elle vieillit, c'est encore une très jeune femme, mais en salon, les gens arrivent et disent « Oh là, je vous lis depuis 10 ans, ou depuis que j'ai 10 ans, ça la scie ». Et il y a des gens qui... Enfin, elle a rencontré une jeune femme qui finissait sa médecine et qui a lu, ou qui a même trouvé sa vocation pour la biologie dans Marion Montaigne. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Après, est-ce que les éditeurs se posent la question? Je ne sais pas. Je sais que, par exemple, pour la plupart des livres de la petite BDTech, le rêve de David van der Meulen, c'était que les livres atterrissent non pas au rayon bande dessinée, mais dans les rayons généralistes, à côté du que sais-je, etc., qui soient à côté des autres livres sur le même sujet, et qui puissent servir et devenir des références. D'autant qu'il y en a certains, comme je disais, qui sont des vrais essais, donc des livres qui apportent quelque chose de plus que juste rendre accessible un savoir. Et voilà, moi je sais que celui sur l'intelligence artificielle, il est sur la page de Jean-Louis Delesalle, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un grand chercheur en neurologie et en intelligence artificielle. Et lui, il le conseille à ses étudiants en première année, ça m'a fait plaisir. Voilà, et je sais qu'il y en a quelques-uns comme ça, il y en a un sur le cinéma aussi, qui est assez connu des cinéphiles. Celui sur les requins, j'ai fait plusieurs dédicaces avec l'auteur, Bernard Serret. Et alors lui, c'était incroyable, il n'y avait que des plongeurs qui venaient. Donc chaque livre se trouve comme ça, un petit milieu qui a un rapport, c'est très étrange. Mais, ils ne veulent pas finir en câble. Ils ne veulent pas finir en câble, voilà, exactement. Voilà, donc j'ai pas de réponse vraiment définitive sur l'usage qui va être fait de ce genre de bande dessinée, mais je pense qu'il y a l'idée quand même que ça existe. Quand vous faites une bande dessinée à vocation scientifique, est-ce que vous concevez la bande dessinée comme un tout qui se referme sur lui-même, ou est-ce que vous pensez à faire en sorte que le lecteur va se poser un certain nombre de questions? C'est un livre concernant des réponses, donc un discours sur l'état actuel de la façon dont elle peut se présenter de façon ou d'une autre à travers un récit, ou bien est-ce qu'il y a des choses... Dans notre cas, c'est vraiment la démarche. C'est l'idée d'embrayer les gens, les lancer sur quelque chose, et puis après, c'est ouvert. Il y a une préface copieuse à chaque fois de David van der Meulen sur le domaine, qui emmène vers d'autres choses, et puis on a tout un... À la fin, je ne vais pas dire un cahier, on n'a pas mis de bibliographie, mais par contre, on renvoie vers d'autres livres. On dit, allez voir ce film, allez lire ce livre. Et madame, là, pour la même question, est-ce que c'est une présentation de connaissances? Est-ce que c'est de la vulgarisation, disons, de moyens de la bande dessinée, ou bien c'est y a une dimension éducative qui est interne même à la démarche que vous mettez en place dans la façon dont vous faites fonctionner? Je pense qu'au début, je crée la bande dessinée pour elle-même, c'est-à-dire que j'ai envie d'écrire une histoire ou j'ai envie de parler d'un concept, par exemple, et en fait, je vais juste faire en sorte que ça touche le public le plus large possible, c'est-à-dire, globalement, ça va plutôt être
jeune adolescent parce que ben voilà, il s'intéresse aux sciences jusqu'à n'importe quel âge. Vraiment, le but, c'est de que ça puisse toucher un public assez large. Et globalement, moi, le retour que j'en ai de mes lecteurs, c'est que, bah, en fait, c'est plutôt, en ce qui concerne le manga, en tout cas, c'est très intergénérationnel. C'est-à-dire que y a des parents qui vont l'acheter pour leurs enfants et qui vont finir par le lire, en fait, ou des enfants qui vont le faire lire à leurs parents, et ce sera leur premier manga, parce que c'est de la vie quotidienne, et du coup, c'est quelque chose qu'on peut aborder assez facilement. Donc moi, c'est le retour que j'en ai. Et puis, je fais aussi donc, des strips qui sont plus didactiques, pour le coup. Donc, c'est les cours du professeur Ocoli. Et là, pour le coup, j'ai un public très scolaire. Vraiment, il y a une forte demande de la part des professeurs pour pouvoir utiliser ces BD en cours. Parce que, justement, ça va venir soutenir un peu leur discours. Et puis, pour les élèves, ça sera un support qui sera vachement plus sympa que des manuels de cours, quoi. Donc, voilà, un public assez large, du coup. Et puis, ah, si, je vais quand même dire un truc, c'est que, en fait, globalement, Matériel et Méthode, je ne pensais pas au début, mais il a eu un très fort accueil au niveau des chercheurs. Globalement, les gens qui travaillent dans le milieu de la recherche ou dans les universités sont très friands parce qu'ils peuvent enfin avoir un médium avec lequel ils peuvent partager ce qu'ils vivent au quotidien avec leurs proches. Et donc, ils sont très heureux de l'acheter, de le partager avec leur famille ou leurs amis pour qu'en fait, ils découvrent le milieu dans lequel ils sont. Voilà. Oui. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, justement. On a beaucoup parlé de la relation entre les créateurs de bande dessinée. Entre vous, les créateurs de bande dessinée, et un public qui ne connaît pas bien ces sujets-là. Donc on parle vraiment de vulgarisation. Moi, j'aimerais savoir dans quelle mesure le travail que vous présentez ici vous a apporté quelque chose dans le contexte de votre thèse. Par exemple. En fait, il se trouve que j'ai commencé après avoir terminé ma thèse. Du coup, par contre, la vulgarisation m'a apporté beaucoup au niveau de la communication, vraiment, de mes résultats scientifiques, par exemple. Mais donc ça, c'était plutôt quand je faisais plutôt des strips. Mais c'est vrai que le manga en lui-même, je l'ai commencé après. Donc, je peux pas tellement avoir de retour. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que ça ouvre pas mal mes perspectives, parce que je fais aussi, même si c'est un milieu dans lequel j'ai travaillé, je fais aussi des recherches et je fais aussi de la documentation pour pouvoir parler de milieux ou de domaines dans lesquels j'étais pas. Et du coup, clairement, je fais aussi des découvertes moi maintenant. Une autre question ? Moi, j'en avais une. Non. Non, madame, pas vous. J'en avais une, donc, sur le manga. Je suis désolée. C'est un vice chez moi, le manga. J'ai lu presque jusqu'au bout en ligne, mais je vais m'y attaquer en version papier parce que je pense que j'ai rien à lire. Votre manga, donc, avec ce pauvre stagiaire qui se retrouve plongé. Alors, il est en deuxième année, je crois, qui se retrouve dans un labo. Et donc, il y a un certain nombre, je me suis bien accrochée pour suivre au niveau, je vais dire, scientifique, le manga. J'ai eu peur quand même, c'est l'effet d'escalier. Est-ce que ça va être plus compliqué? Dans un quart d'heure, la bibliothèque passera en service réduit. Ah oui, il ne sera alors plus possible de vous inscrire ou de rendre vos documents. Cependant, les automates de prêt restent à votre disposition pour enregistrer vos emprunts. Merci madame. Oui, je sais, la bibliothèque ne s'arrête jamais. Donc c'était juste pour savoir, est-ce qu'il y a cette idée que, alors c'est pas le cas dans les autres, l'autre document, puisque c'est un one shot, on dit dans le jargon, mais est-ce qu'il y a cette idée que j'arrive au tome 2, les gens auront lu le tome 1, donc je vais pouvoir un peu monter le niveau. C'est un petit peu ma crainte, moi, parce que je suis au taquet, là. Il faut prendre des notes. C'est pas le but. Mais est-ce que c'est pas quand même une petite tentation? Ouais, ça peut être très tentant, clairement, parce que... Il a quand même progressé, ce conseito. Il a quand même... Et puis, la thésarde, elle va finir sa thèse. Oui, mais... Mais en fait, l'idée, c'est... Il n'y a pas forcément... Il y a des notions qui seront importantes, par exemple, ce que c'est que l'ADN. C'est quelque chose qui est assez important.
Mais la base de la pédagogie, c'est la répétition, donc il ne faut pas hésiter à faire des rappels. Et du coup, je pense que une autre façon de, enfin une façon un peu de contourner le problème, c'est de, d'élargir en fait le panel des choses dont on va parler. Du coup, c'est pas forcément, mais on peut suivre d'autres personnages. Du coup, pas de spoil pour la suite. du coup, le but, c'est pas forcément d'avoir cet effet d'escalier, même si il y a des moments où on parlera forcément des notions qui seront avant. Et je pense que c'est aussi pas mal, quand on est lecteur, d'avoir cette sensation de se dire « j'ai appris des choses et j'ai progressé ». Mais il ne faut pas que ça soit trop ardu, clairement. Après, c'est vrai qu'il faut, je pense, trouver le juste milieu entre quand même apprendre et progresser et s'appuyer sur ce qu'on a appris avant pour aller plus loin. Mais aussi, il n'y a pas qu'une progression verticale, je dirais qu'il y a une progression horizontale, c'est-à-dire qu'on peut aussi élargir le champ, les domaines qu'on explore. Ça commence par la biologie moléculaire, mais ça peut aller vers d'autres domaines, quoi. Une autre question ? Oui ? Moi, j'ai commencé les BD scientifiques avec Anselme et Arthur Lou. Jean-Pierre Petit, c'est ça, j'avais un mais enseigne auto, je me souviens. Enfin, du coup, est-ce que c'est de la BD de Homer, ou parce que c'était un peu. Ça a un peu évolué maintenant. Moi, j'aimais bien l'informagique. Je l'avais trouvé pas mal pour expliquer l'informatique. Il y avait plein d'idées. C'était. Ouais, il y a des fluides dedans. Enfin, c'est du sérieux, c'est pareil. Ah, lui, c'était un directeur du CNRS. Hein. C'était quelqu'un d'important qui a un petit peu. Mais non, il a eu un problème. Non, mais même ses livres. Oui. Mais il en sort toujours, hein. Mais c'est auto-édité, et puis voilà, maintenant il est un peu ufologue, enfin, ou même très ufologue, et du coup il s'est un petit peu grillé académiquement, voilà. Et son dernier truc, je crois que c'est sur la Bible, mais je ne l'ai pas lu, voilà. Ouais. Bon, peut-être qu'aussi en thème graphique, c'est un peu oui, mais il arrive à faire des choses. C'est, oui, ouais. Mais par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'était quand même un ton en dessous, quand même. Oui, oui. Par rapport à Burnia. Oui, oui, voilà, c'est pas un grand dessinateur. Un grand dessinateur. Voilà, mais ceci dit, il arrivait à mettre le. Quoi, oui, oui. Il arrivait à mettre le dessin au service de ce qu'il racontait. Je me rappelle sur l'informatique, il y a tout un truc avec des histoires de démons qui arrivent à faire des choses répétitivement, etc. Ça m'est bien rentré dans la tête. J'ai vu ça assez jeune, mais ça a bien marché sur moi. Voilà. J'ai été un petit peu en contact avec lui, il est un peu spécial, mais bon, ouais. Un personnage. Mais c'est vrai que c'est une référence à sa manière. Peut-être une dernière question. Ultime question. L'ultime, oui. Ah oui, un tirage au sort, c'est vrai aussi. Tout le monde y a non, oui, c'est ça. En tout cas, je suis impatient de lire Matériel et méthodes, parce que l'équilibre a l'air très, très étrange et intéressant. Parce que ça rappelle quelque chose qui est plutôt moins bien, qui est les séries américaines. Par exemple, on prend un milieu et puis on développe dedans des intrigues. Mais toi, tu pars quand même... Enfin, si je comprends bien, ce qui est vraiment important, c'est ce que tu racontes de la science, de la démarche scientifique... des connaissances scientifiques, et puis en même temps, tu as des personnages. Voilà, c'est pas un prétexte, c'est ouais. Le fond du truc. Et c'est un équilibre qui m'a l'air assez unique. Voilà. Oui, après, je trouve que je sais pas trop en BD, du coup, parce que j'ai pas lu tant de BD que ça, je sais qu'il y en a. Mais je sais qu'en manga, on a cette fâcheuse tendance à parler de tout. Du coup, on peut parler de tout en manga, et globalement... c'est quelque chose que je retrouve assez bien dans, par exemple, je sais pas, dans Moyashimon. On va parler de micro-organismes via un personnage qui peut voir les micro-organismes. Et en fait, on va découvrir plein de choses. Et en même temps, on va le suivre dans ses aventures, dans ses études, etc. Donc en fait, je trouve que c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant. C'est qu'à la fois, il y a cette progression et à la fois, on découvre plein de choses. Du coup,
Voilà. Moya Shimon, donc le drama, et sinon il y a aussi en manga, si vous voulez. Il suffit d'en parler et il saute parmi nous. Ah, c'est une espèce de Pikachu déguisé en... Oui, en fait, donc c'est des levures et elles ont toute une tête très marrante. Donc si vous voulez apprendre comment est-ce qu'on fait du saké, et la fermentation, etc., là, c'est la bonne adresse. Tales of Agriculture. C'est vrai que du coup, moi, j'ai plus justement ce regard inverse. C'est-à-dire que je vais sortir moi, du manga. Là, en ce moment, j'essaie de lire de plutôt tout ce qui est BD. Il y a PB Fox, par exemple, qui ont sorti ma thèse en deux planches, qui en fait reprend un peu ma thèse en 180 secondes, mais en forme de BD. Et du coup, c'est un autre exercice. Et j'avoue que du coup, c'est aussi un milieu qui m'intéresse pas mal. C'est-à-dire que c'est cette autre façon de parler de la science. Du coup, celui sur Internet m'intéresse énormément. Bon, bien, merci d'être venu, d'avoir été attentif et de nous avoir écoutés. Merci bien. Merci.